Les Bleus vont disputer leur dernière rencontre de la saison ce soir au Stade de France. Un match amical face à l'Angleterre qui intervient 4 jours après la défaite concédée en Suède lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2018. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a prévenu qu'il allait modifier son 11 de départ en titularisant plusieurs jeunes, mais qu'il laisserait le brassard de capitaine à son gardien, Hugo Lloris, auteur d'une énorme boulette à Stockholm. Son leitmotiv, rester compétitif, quelles que soient les circonstances. Je ne suis pas figé sur un système uniquement, c'est plus une question d'animation et d'association de joueurs pour avoir une équipe de France qui aille de l'avant, qui crée des problèmes à l'adversaire, mais qui soit aussi capable de bien défendre. Les spectateurs seront invités à entonner God Save the Queen en hommage aux victimes des attaques de Manchester et de Londres et en écho à l'attitude du public anglais qui avait repris en cœur la Marseillaise à Wembley 4 jours après les attentats qui avaient endeuillé Paris en novembre 2015.